Kuraura tungua o animalirons o tungua pomtu o tani enhoneo ya tungmaki o to papa to mama inen te henua o moria. Mo horoa mai tō mō makui te ye inoa o tānui no te henua o tā mama, te henua prohia e o napuka. Je dirais que ma mère, c'est comme un pilier de ma vie, hein, déjà pour la langue. Maternelle, hein, qui apparemment les gens ne connaissent pas vraiment encore cette langue-là. Et en même temps, elle est ce qu'on appelle un rattachement aussi à sa terre et de toi. C'est vraiment, je dirais, mon chemin pour prendre, pour mieux comprendre les choses en termes culturels. Je dirais que depuis tout petit, hein, mes parents étaient présents avec moi, surtout ma maman. Mon papa était rarement aussi avec nous car il voyageait aussi pour le travail et tout. Mais ma mère était toujours présente avec nous, même depuis très très longtemps même. Elle a beaucoup, surtout, hein, elle nous a appris déjà à tout d'abord à regarder, hein, comment, par exemple, hein, je vais juste vous expliquer comment savoir si tes enfants, le premier-né c'est un garçon ou le premier-né c'est une fille. Elle nous a expliqué en disant que la perle qu'on trouve, hein, dans la mer, dans l'océan, ben, cette perle-là doit être attachée avec un fibre de coco et on doit le mettre au poignet, surtout à la face de la main gauche que tu mets. Et si ça tourne sur ta face de la main, ben, ça signifie que c'est une fille. Si ça se balance de droite à gauche, ça signifie que c'est un garçon. Et il y a beaucoup de choses, hein, qu'elle nous a apprises, hein, déjà sur l'artisanat, hein, sur le tressage et sur autre chose aussi. Hein. Même aussi surtout la fabrication des colliers. Je vais te montrer comment elle fait pour un peu faire ses colliers. Hein. Donc, c'est chez moi. Voilà donc comment elle fait, hein, pour les colliers. Hein. Ce sont des coquillages et ce sont les différents coquillages qu'on trouve souvent aussi. Hein. Ici, celui de Moria. Du coup, elle favorise un peu ces coquillages qu'il y a quasiment aussi, il y a beaucoup, plusieurs coquillages là-bas sur son île. Ma mère, elle dit que ces coquillages-là que tu vois en blanc, ceux-là, sont des coquillages qui viennent des Tuamotu, rapport, et celui-ci aussi. Et elle dit que ici, hein, ça, ces coquillages là-bas au Tuamotu, elle est de couleur jaune. En fait, elles ont différentes formes parce qu'elle peut être, fin, grand comme ça. Elle peut être plutôt creux comme des nacres comme ça. Okay. Ou un peu plus gros, un peu plus... Et bien sûr, elle peut être aussi comme ça, ces coquillages-là. Et ça aussi, elle dit que ça vient de Tuamotu. Elle dit que ça aussi, ça vient des Tuamotu. Ah, oui. Chez eux, ils disent torti. Toti. Oui, et on en a beaucoup. Et en fait, elle favorise la connaissance de cette connaissance, hein, avec les coquillages, comment il faut les faire.
Et elle y va aussi. Ça, ce sont les plus petits. Voilà. Ça, c'est ma maman. Oh, Nana. Maïtaï. Nous, on propose notre amour, notre amour, pour la faire pour auto, et la faire. La fée, oui, Haman Miki Mohé, et mon poupou, allez, oui, 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 Oti, horo iro ite miti, horo iro ite toau. Mana iro to toau, pati etie, oti tu ite hei. Oti? Donc, du coup, elle explique un peu que, comment elle fait pour faire les colliers. Hein. Donc, elle va ramasser les coquillages. Au bord de mer, tôt le matin, hein, la mer, quand la mer, elle est calme, elle est en baisse, elle va ramasser tous ces coquillages que tu vois. Et ensuite, elle dit ça, elle va taper. Taper, ça signifie, en fait, elle va être reposée pour que, en fait, les bestioles qui sont à l'intérieur meurent, pour que ça soit propre à l'intérieur. Et au fur et à mesure, pour heureux, oui, maman? Petit tour. Et au fur et à mesure, elle nettoie. Elle nettoie à chaque fois. Et ensuite, dès que c'est fini, elle perce avec mon métaouïman. Elle perce avec ça, avec ses mains. Les coquillages pour faire des trous et pour touille, qui signifie plutôt. Comment on dit ça en français c'est plutôt mettre un par un les coquillages. Ici, avec ma maman, vous me parlez thaïsien pour tout, comme j'ai dit, qu'elle ne comprend pas vraiment le français. On se comprend, hein, il y a beaucoup de choses aussi hein, qu'elle ne connaît pas aussi aujourd'hui hein, sur les choses qui sont de l'extérieur. Parce que ma maman, elle est toujours payée, je dirais, elle est toujours, toujours droite. Hein, si elle reste toujours comme elle a vécu il y a très longtemps. De l'admiratif que je pense, je trouve, hein, venant d'elle. Ah, il y a ma maman qui demande, est-ce que tu veux voir les paniers qu'elle fait? Non, je t'emmène un peu partout. Ici, hein. Tu as différents modèles, ce sont en fait des mamans. Te hohoa, no hare taia. Bien, pani yo hare, opete orijane magasa. Pani evne. Et tog matamua. Ya ya tra hamonira mitera. Tra? Mitera? No taire taia. Donc, ici, tu as le panier qu'elle fait. Hein. Elle le vend aussi au bord de route. Hein. Elle est faite en fibre, en palmier de cocotier et en pandanus. Oui, ce panier-là, en fait, c'est pour la pêche. Hein? Tu mets les appâts, les poissons. Et ah, moi ouais. Tu mets les appâts, les poissons. Il y a un modèle panier, tu as vraiment mis beaucoup de petits modèles. Oui, non, petits modèles. Ma maman a dit qu'en fait, elle fait 4 modèles de cette façon. Il y a les plus grands, c'est pour les choses les plus grandes. Ah, elle dit que non, c'est la différence entre la fabrication. Et on a plusieurs modèles. Ça, c'est le premier modèle hein, pour la pêche, hein, comme je disais. Hein, pour la pêche, pour les poissons, pour mettre les appâts à l'intérieur. Et le deuxième modèle qui est ici, qui est bien plus arrondi, hein, bien plus rond.
Et en fait, ça, c'est pour vraiment, c'est un modèle où tu vas un peu partout, moi, où tu mets tes vêtements. Et ça permet aussi de faire des poubelles locales que tu veux mettre à l'intérieur. Voilà un peu, ce sont ces deux modèles qui restent parce que les autres modèles, c'est déjà tout pris, hein, c'est déjà pris. En fait, ça ressemble à la queue d'un poisson. Ma te vera te hua inyo a tautou horoma ino te mo pani. Aita. E te mem e te wo tu te taia, tu te eta. Ma maman elle dit que il n'y a pas vraiment de nom de significatif. Ah. Ah, ma mère a dit que en fait Donc, je traduis qu'en réalité, en fait, elle dit qu'il y a une grande différence hein, pour la. Enfin, selon ce que. Parce que c'est vrai qu'ici, hein, elle m'a appris beaucoup de choses hein, sur l'artisanat. Et elle avait dit qu'il y a une grande différence entre les palmiers d'ici et ceux des Tuamotu. Du coup, elle n'a pas vraiment tout. Elle m'a pas vraiment tout appris. Hein. Mais elle dit que au Tuamotu, hein, si tu vas au Tuamotu, tu peux faire ce qu'on appelle un genre de nappe qui est à base de ni'au, de palmier, de cocotier. Et aussi tout ce qui est plat en palmier, les chapeaux en palmier, qui sont très différents de là-bas au Tuamotu selon les palmiers. Il a fait un week-end, mais ta héros, c'est mon ni au io, il y a ni au ime. Donc, elle explique que pour faire la différence entre les palmiers d'ici et ceux de là-bas, en fait, les palmiers d'ici sont plus, elles sont plus dures. Mm. Elles sont plus dures. Mm. Alors que les palmiers de Tuamotu, elles sont plus souples. Donc c'est pour ça que les paniers que tu as vus, hein, elles sont pas vraiment pour elles, elles sont pas vraiment bien faites. C'est parce que les paniers ne sont pas appropriés pour ce genre de fabrication. Chez nous plutôt hein. Chez nous le premier en fait on donne aux grands-pères aux grands-parents, c'est eux en fait qui gardent un peu l'aîné pour comprendre un peu comment eux ils vivent, voilà, c'est vraiment une représentative un peu comme ça. Et parfois aussi hein, il y a cette éducation qui est importante aussi parce que ici on dit que si on te donne avec un grand-parent ou un arrière-grand-parent, mais en fait ça garde toujours cette transmission culturelle de génération en génération. Et la plupart du temps, c'est que les aînés qui vont chez les grands-parents. Kuraura. Donc, oui, moi, au Annie Michel, tout est fort. Donc, oui, nous avons fait un peu de temps, on a pouka, Naruto, il était moi, t'es pouka, marouille. Donc, vous connaissez un peu, ou raoui, donc, fenoua, et aïta, tu vois, réo, trano, t'es réo, et trario, eco, yaku, et réo, faux, atara, et t'en a que Aïta tu es réco trate réco, réco pour moi. Toku yo fenua napuka yo, te puka maruia yo. Te hoa toku fenua, te hoa hoa ia e. Me a mene mene nona. E aria rati fou fai rumaiso. Me ora ia, me ora ia. Te veira ia, tenga ire.
te mea, te kaumanga, te kaweu, te paru. Eurohau, ai nuria, ou tamu e tra whenua, o tra me eurohau o te tangata i ko. Ai te tangata i ngāere kona ke, ngāere kona ke, kia tuwi rai i vau. Ai, iaku mana eura noho a tra hanga whenua i a rātou iho. E katinga tō runga iso, e atu, te weira tō te kaipoa, te wāwenga, te naunau, te uru o te ora tātou. I a mātou, whainene mātou, whainene na hoa tō mātou hanga rūgau, i tanga reko mātou te rahanga mea e tūrakomo. Nā, whakakī mātou te toiti nā rato te reo teiti e ua. Rāia, whakakī mātou, hamani mātou te mea taihanga komo, i a taheiroto i tahanga tūra. E no painene mātou, no te ihanga kāwake toiti. Tarai e whainene mātou te hanga tūra komo, e toiti na kei amai, woinene te hanga mea tūra i whainene, tarai e tō mātou ora te komo. E aita na kei, te weira te piti, e huke mātou te āpo i roto i te whenua, no te mea, tarai e tā mātou komo, mei te koe ai te toiti wāo, tarai e tā mātou komo, no roto mei e te whenua, e huke mātou te āpo, e me āno ira te komo, te komo e te tōau. I roto i e tā me, e ora no hoara, e tunu no mātou, e nei māroho a tā komo. Donc, quand j'étais petite, hein, pour jouer, en fait, on avait nos jeux. On utilise en fait les petites noix de coco, les petites graines de noix de coco. Et à l'arrière, hein, en fait, on mettait une petite branche de ni'au, de palmier de cocotier, pour faire une toupie. Et on s'amusait souvent à faire ça, toujours. Ah, ma mère a dit que des fois, à leur époque aussi, hein, eux, ils mettaient, en fait, au lieu de mettre une petite branche de palmier, ben, eux, ils mettaient, en fait, un bois que eux, en fait, ils aiguisaient pour mettre à l'intérieur de la noix de coco pour faire la toupie. Ate wai hau tira tau tau e i te taumata mō tau e nā rūpō. Ko e hau tīpi. E tra hau tī ar i. Nā o tau tra. E ngoro. E nā mā. Nā hau tī ar i. Nō e mūtai. Mūtai? E. Te tai tra nā tū. Tau e. Donc, ce qu'elle dit, hein, c'est qu'en fait, elle a connu beaucoup de jeux à son époque. Hein. Elle avait connu ce qu'on appelait en fait le jeu Ari et le jeu Mouteuil. Ari qui signifie en français roi et Mouteuil qui signifie policier. Donc, elle avait connu un peu ce jeu-là. Et en même temps, elle avait connu aussi le jeu qu'on appelle, je ne sais pas si tu vois, en fait. Hein? Ben, c'est un jeu. C'est un jeu qui. Il y a un troisième jeu qu'eux jouaient à l'époque, c'était avec. Les boîtes de conserve. Eux, ils jetaient un truc sur les boîtes de conserve. Le premier qui gagne, qui a gravé quasiment toutes les boîtes de conserve, ben c'est celui qui gagne. Tu veux la voir retirer à ta auto ni à notre poupou ni à tes offres et voir rapide à ni à tes offres trapper rapide à tes yeux à nos tes numéros. Il y a un jeu qui ok. Il y a ce qu'on appelle éducatif, un truc éducatif que eux ils faisaient à l'époque, hein. C'est de compter en fait comment eux ils comptaient
Donc, pour traduire un peu, c'est qu'à l'époque, eux, ils apprenaient en fait ce qu'on appelait les chiffres. Hein. C'est avec les pierres, des cailloux, hein, c'est comme éducatif, un jeu éducatif. Et eux, en fait, si on mettait, par exemple, comme elle avait dit, 200 plus 400, ben, en fait, au lieu de mettre tout le nombre de pierres pour faire combien il y en a qui va rester, combien sera égal, ben, eux, ils mettent, par exemple, 200, ils mettent juste deux pierres, ou signifie 200. À 15, ils mettent une pierre avec deux, trois pierres qui signifient 15. C'est un peu compliqué, le jeu. C'était un apprentissage qui est très, je dirais, un peu compliqué. Ouais. Ma, ete ho ete ho eta mai piri, iro toto ereo, ta mai piri. Mitra pe prohia mai te ho e pro, ta puniri e muri mai te vaira pe pro tanu. Ete ho ete ho eta mai piri? Aite mato ki ta are ha tere nome. Fea nai pro iro toto ereo. Aite mato, eta pro tena ar mato ita ara pra mo meru ti to mato reo. Ok. Ma maman, elle explique qu'en fait, elles ont des trucs comme ça, mais c'est juste que eux, ils. Voilà, c'est juste que eux, en fait, tout ce qui est. Toi, l'énigme, il va te énigme, non, en fait, elle ne comprend pas vraiment le langage énigme et en tahitien ce que ça signifie tamé énigme. En fait, en tahitien énigme, c'est tamé piri. C'est, voilà. Et elle ne comprend pas ce que ça signifie parce que dans leur langage, il y a une autre façon de dire. Et en fait, chez eux, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'on ne le dit que à la famille. Le four, hein, c'est un trou. C'est un trou qu'on met. Hein. On fait souvent hein. Ou pas mm-hmm. Des fois on fait pas de tout. Des fois ce qu'on fait en fait on a ce qu'on appelle des je vais te montrer bon on entend les coqs. Donc, je te montre un peu comment on fait. Hein. Donc, parfois, ici, tu as un petit four. Hein. C'est ce que tu vois là, en fait. C'est une pierre de corail. Ici. Et bien, en fait, on met en dessous le feu. Et on nettoie bien la surface pour cuire, en fait, le pain. Et le corail aussi, qui est ici, comme ça aussi, hein, c'est cuit aussi. Pour mettre aussi la nourriture là-dessus. Parfois, on ne met pas dans le trou. Si, par exemple, il y a beaucoup de monde, on met dans le trou. Mais s'il y a moins de monde, en fait, la pierre, la plus grande pierre, on utilise en tant que plaquette. Et on cuit pas mal aussi du pain qu'on appelle du pain coco. C'est du pain qui est local aussi, hein, qu'on connaisse. Bon. On allume vraiment un feu hein, sous le corail et en fait le corail en fait comme c'est ça brûle facilement, ça chauffe facilement et du coup hein, la cuisson est un peu plus rapide et on est toujours là à surveiller tout le temps à chaque fois. Payé né hein, t'es fautiné mato, t'as mato né pro pro, t'es
te proto ravo ya ya mato porot muta atama u hiter watu mo faya pomutu ya vaino tu auto mo riku auto mo hiro atum mi fofaro no mato poro e hamaruru neivo tau mo makui tu mama tu papa ya tu turu mai a u a poro tamatu oipa erave te oipa no te hiro atu mu te aro atu te mo oipa no te ora te mo oipa no te fofa o te natura te fatura natura poro te mo oipa hamaru nei au ya rato e piti maru mai tei